Salut les amis! Pour ceux qui le savent, j'ai voulu changer le nom de ma chaîne. Je vous ai donc envoyé un petit sondage avec Destination Nocturne ou Mr. Josh. Je vous ai demandé de choisir lequel vous préférez. Et chose est faite, égalité parfaite. Je vous explique. Je voulais de plus en plus arrêter Urbex ou du moins diminuer cette activité. Pourquoi? Mon collègue Anthony n'était pas aussi motivé que moi. Du coup, le rythme de vidéo Urbex ne suivait pas assez. Et ça m'a pris un peu la tête, je vous l'avoue. De plus, j'ai rencontré énormément de personnes urbexeurs qui m'ont un petit peu attaqué et je vous avoue que ça m'a un petit peu dégoûté de ce milieu. J'ai donc décidé de diminuer cette activité sur ma chaîne, voire me diversifier plus sur d'autres choses qui m'intéressent comme Crafting the Wood, Urbex paranormaux, pourquoi pas. La mini-série que j'ai plus ou moins commencé, que je vais peut-être développer. Le projet est simple en fait, c'est un sort de chasseur de fantômes ou de trucs comme ça, un peu stupide. Et voilà, je mets en scène un scénario ridicule qui peut aussi peut-être faire peur. Enfin voilà, c'est un projet. Si vous kiffez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai plein d'autres projets, voilà, j'ai plein de trucs qui grouillent dans ma tête que j'aimerais faire en vidéo. Et je veux pas être freiné par ce titre Destination Nocturne, Urbex Destination Nocturne. Je voudrais vraiment faire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est faire des vidéos. Avant d'être urbexeur, je suis vidéaste. Avant de faire ça, j'ai eu des tas de chaînes, mes amis. J'ai une chaîne sur YouTube déjà avec tous mes courts-métrages. J'ai fait pas mal de choses. Je vous mets les petites images en fond. Voilà, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Si vous voulez aller voir, je vous laisse le lien dans la description. Et puis voilà, je suis vraiment avant tout passionné par la vidéo. Après, voilà, tout ce qui est survie en forêt, urbex, tout ce qui est paranormal, enfin voilà. J'ai pas envie de me cantonner à de l'urbex. Je veux pas être un mami twink en fait. Je voudrais plutôt marcher dans les pas d'un personnage comme le Grand JD, un personnage qui m'influence énormément. Donc voilà. Donc la chaîne a changé, vous l'avez vu. Si vous kiffez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est super important pour moi. Parce que je sais pas vraiment où va ma chaîne. J'espère ne pas vous décevoir. Ton projet les amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que normalement jeudi dans la semaine, je suis censé tourner un urbex, je sais pas où encore. Lundi prochain, je pars avec Moustique et Corentin de Rapid Urbex pour un gros urbex. On va faire un petit voyage avec un petit camping à la sauvage, ça va être vraiment cool. Voilà, j'ai vraiment plein de projets. J'aimerais aller au château de Fougeray, voir avec qui par contre, Anto ou une autre personne. Je voudrais continuer donc ma série paranormal Faker. J'ai vraiment envie de faire plein de choses, les amis, donc vraiment ne me lâchez pas. Continuez de me soutenir, ça fait plaisir. Si vous pouvez faire tourner cette vidéo sur vos Facebook, pour en parler autour de vous, ça serait vraiment cool. Je vous invite vraiment à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous remercie également MyLeak, les amis, si vous voulez voir des vidéos d'Urbex vraiment faites avec passion. Ce gars débute l'Urbex en tout cas. Il commence à s'y mettre, il commence un peu à percer. Je vous mets donc la vidéo ici, enfin sa chaîne. Allez vous abonner, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment cool, c'est vraiment le futur ami Twink. Enfin j'espère, je te le souhaite mon gars. Et merci à toi. Et je vous dis à la prochaine.